Je suis très heureuse, je remercie mon Dieu et je remercie le Bénin également parce que grâce au Bénin, j'ai pu mettre ce produit sur le marché grâce aux plantes béninoises. Nous avons de la richesse chez nous. Donc d'abord, ce qui m'inspire est que l'obésité jusqu'à présent, il n'y a pas de produit vraiment qui puisse mettre fin à ce germe. Et beaucoup d'entre eux meurent pour cette maladie dont en fait partie ma mère qui est décédée pour cause de l'obésité. Donc aujourd'hui, j'ai la rage contre l'obésité. Je veux vraiment que ça cesse. Il y a des personnes qui meurent, il y a des personnes qui sont restées clouées dans les canapés à cause de l'obésité, à cause du surpoids, à cause des graisses. Et aujourd'hui, ne peuvent pas se déplacer, ne sont pas libres de leur mouvement. Raison pour laquelle, et en particulier moi, déjà à 26 ans, je devais surgir une opération au niveau du genou parce que j'avais un problème de surpoids. Et dans tout, près de 15 médicaments différents que j'ai pris, qui n'a pas marché et je me suis énervée, j'ai eu la rage, je me suis lancée dans les plantes et je me suis guérie à travers les plantes. Et aujourd'hui, j'ai mis ce produit sur le marché qui n'a qu'à peine 2 ans de naissance. Et les quelques-uns qui ont pris ce produit ont vu de l'efficacité en ce produit, ont vu que ce produit va faire beaucoup. Surtout ici, surtout en Afrique où nous mangeons pratiquement, nos repas sont assez riches, où on a la facilité d'embrasser le surpoids. Et ce produit d'un biominceur est venu pour régler beaucoup de comptes, pour mettre beaucoup de personnes à l'abri du danger. Je suis une source d'inspiration indomptable parce que ce n'est pas facile d'être inventeur. Mais le problème, quand on invente aussi, il faudrait qu'on trouve de l'espace, faudrait qu'on trouve de la liberté à mieux commercialiser ce produit, à mieux exposer ce produit. Il faudrait que l'État béninoise nous donne une opportunité à mieux étaler nos produits, à mieux étaler nos savoirs. Et parce que la meilleure thérapie, la meilleure guérison se trouve dans les plantes. Benfat Sodji, qui est elle aussi promotrice d'un biominceur, qui est un produit qui permet, qui participe rapidement à l'élimination des graisses pour prendre une bonne forme. Une jeune dame qui déjà a compris que quand on crée une activité, il faut s'en occuper, il faut bien s'en occuper en respectant les critères de la bonne gouvernance. Puisque déjà, au niveau de son entreprise, à l'évaluation en termes de ponctualité des agents, en termes de transparence, en termes d'équité, en termes de développement durable, en termes des indicateurs de bonne gouvernance, elle en est sortie avec une décoration au grade des officiers de la bonne gouvernance.